Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Nous, on continue cette petite semaine de vacances au bord de la mer Adriatique. Ils sont qui méritent d'être encouragés parce que là, c'est vraiment une histoire de fou. En gros, hier, on devait avoir deux gros bateaux pour voyager avec le reste du groupe. Et un des gros bateaux est tombé en panne. Les organisateurs qui mettaient à disposition le bateau ont simplement planté les organisateurs de Drive Deluxe. Nadia, qui est la femme de Tom, a fait un taf extraordinaire parce qu'elle n'a pas lâché l'affaire. Elle n'en a pas dormi de la nuit. Elle a réussi à nous dégoter un bateau pour qu'on soit de la partie. Arrivé sur la première île. Alors je suis désolé, je connais pas le nom, j'ai pas eu le temps de demander ce matin, mais en tout cas on vient d'arriver sur la première île, donc on va très probablement aller manger au restaurant qui est juste ici. Et voilà, Pierre est déjà en action, donc là on est entre guillemets la team média. Je te rappelle, Pierre le photographe, c'est lui qui fait la plupart des miniatures de ce daily vlog de cette semaine sur ma chaîne. Merci à toi Pierre. C'est vraiment ouf hein, ce road trip qu'on est en train de se faire quand même. Ah ouais, c'est exceptionnel. C'est les vacances. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, hein. C'est un road trip vacances. C'est vraiment un road trip vacances. Donc, en tout cas, nous, on est content de te partager ça. Et ce que je te propose, c'est que maintenant, on va voir ce que nous réserve. Soit on va aller dans l'île, soit on va aller manger. Ouais, ou les deux. Ouais. Moi, je crois que je vais retourner me baigner. Allez. Tu fais des photos comme ça? En vidéo? Ah, super. Ça va? Oui. Ça se régale la famille. Yes. Regarde, je t'ai trouvé là. On m'a pas demandé qu'il la chauffe avant. Ouais. Ça va Claude? Ça va. Bohème à toi. Chifoumi, je gagne, je fais un flip, enfin tu fais un flip, je perds, c'est moi qui fais le flip. Vas-y. Prêt? En une manche. Vas-y. Chifoumi. Chifoumi. Oh le bâtard. Oh merde. C'est toujours sur moi que ça tombe, des trucs comme ça. J'en sais rien. Comment je fais? Bon bah voilà, on vient de se retrouver. Comme tu as pu voir, on a pu jouer un petit peu dans l'eau avec tous les copains. C'est vraiment un vrai régal de passer ces moments-là parce que c'est pas juste de la bagnole, mais aussi c'est des moments de détente. Et du coup, je vais t'inviter à découvrir dans quelques minutes. On va prendre la route pour aller au restaurant et je te ferai partager ça. Allez, à tout à l'heure. Mon capitaine ou mon capitaine? Capitaine, hein, bon. Thank you. Bon bah voilà, on vient de prendre la navette, maintenant on va se retrouver direction le restaurant et je t'emmène avec moi, c'est parti. For your main course, you have some grilled sea bass, just clear fillet with some mashed potatoes.
il a été pêché dessous et là-devant, tellement il est frais et doux. Et ils ont fait des choix magnifiques. La pauvre bête. 10 sur 10. C'était absolument fantastique. Cuisson, comme il faut. Oui. Absolument bien. Il a été pêché dans la mer. Ladies and gentlemen, so you have some dessert here. This is our signature dish made by our chef. So this is a basically semi-frozen dessert with some dry figs inside, toasted almonds and lavender filled syrup on top. If you know, maybe the flower is most famous about a lot of lavender fields. So we are combining it with this dessert together. So enjoy it. Thank you. J'ai déjà tapé dedans, je t'ai grillé. Ouais. Hein? T'as pas attendu, hein, coquin. Allez, on est de retour. On vient de terminer donc de manger dans ce très succulent restaurant avec un cadre absolument incroyable, comme tu peux le voir. On avait cette vue-là juste derrière nous, c'était vraiment absolument incroyable. Très 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 bon choix des organisateurs de nous avoir emmenés ici. Donc là, tout le monde est en train de se diriger maintenant vers les navettes pour reprendre le bateau. On va aller se diriger en direction d'une île sur laquelle on aura un moment où on pourra aller se promener et se balader ensemble. Bye. Donc là on a un très beau yacht qui vient d'amarrer. Et si tu peux regarder là, tu vois, je suis en train de te le zoomer. Hop, attention le petit. Juste à côté. Sors le jet direct, il le jette à l'eau. Ça c'est la guerre. Il en a pas qu'un seul. Ouais, il y a tous les jouets garés à l'arrière. Ouais. Et puis c'est pas un petit yacht, hein. Ah. Il s'appelle le Quantum. En tout cas, franchement, il est vraiment dans le futur. Hein. Il a vraiment un look, ce bateau. Waouh. Capitaine, mon capitaine. Droit devant. En avant. Bon, bah, comme tu viens de le voir, on arrive tout juste donc sur l'île de Dvar ou Jar. Je sais pas comment le prononcer. Et comme tu peux le voir, c'est absolument, absolument magnifique. Donc, eh bien, on va aller se promener un petit peu, découvrir un peu cette île. Hop là, on vient d'arriver. Je suis avec Andrew, donc Andrew parle anglais. Thank you so much, you speak French. Donc, je vous mets l'Instagram d'Andrew pour aller le suivre là juste ici, pour découvrir donc justement tout ce qui fait quand même travail sur la partie photographie et vidéo. Et du coup on a décidé avec Andrew de performer un petit peu, d'améliorer plutôt mes cinématiques. Donc on va tourner un petit peu ensemble sur cette île qui est 100% quand même touristique pour vous proposer une petite cinématique plutôt sympathique. Et ce que je te propose, musique, vidéo, c'est parti.
c'est ici que s'achève cet épisode. J'espère que tu as pris autant de plaisir que ce qu'on a pris à passer cette superbe journée qui était juste absolument incroyable. Il est en train de se foutre de ma gueule alors que c'était parfait. Bref, espèce de... Pendant que j'étais tranquillement en train de faire la sieste, le moteur s'est mis à s'arrêter. J'ai demandé à Ivan, mais que se passe-t-il? Il me dit, on est en panne d'essence.